زوفلا ون مرحبا سوان سلام عليكم اكاتفرام On se retrouve à Séguil pour une quotidienne très spéciale, puisque à Denoral, on va essayer de faire une première. On va donner un premier avis à le mercato, à les bons, les mauvais éléments, ce qui nous a un petit peu donné une bonne impression. Enfin, en tous les cas, oui, les points. Des stagiaires de préparation. Avant, bien sûr, on aura bien sûr. Le temps de parler prochainement du prochain adversaire de passage à ce qui sera l'équipe de Megara. Donc il y a quand même des joueurs qui nous ont satisfaits. Il y a des joueurs sur lesquels on a aussi des points d'interrogation. Il y a des joueurs, on se rappelle, ils vont démontrer. Voilà, on va essayer de revenir sur les quelques joueurs. Mais en tous les cas, on va aussi parler de l'actualité, on va parler bien sûr de l'équipe nationale, on va parler des déclarations de Navroche qui sont quand même une confirmation, pas une confirmation, mais voilà, c'est quand même notre quotidien depuis Achalouéguéné. Donc, tout ça, c'est qu'il faut s'abonner à ma chaîne, secondaire, où on va débriefer le match de l'équipe nationale de la chaîne secondaire, où il y a beaucoup de vidéos qui se font sur différentes choses, que ce soit le football national, international, voilà, les débriefs et les vidéos d'analyse ont toujours, et les extraits de la quotidienne, de la chaîne secondaire, le lien dans la description et le premier commentaire. L'équipe nationale, il est venu ici contre l'équipe en la Tanzanie. C'est un match qui nous intéressera encore plus en tant que supporter de la GSK, puisque il y a l'attaquant de la GSK, Simon Masuva, qui évolue de l'équipe de la Tanzanie, et que personnellement, et c'est un match où la Tanzanie joue sa qualification aussi, parce que l'équipe nationale qualifiée avec 5 matchs, 5 victoires, 9 buts, 2 buts encaissés. Voilà, 15 points sur 15, il y a pas eu de match entre l'Algérie et les autres équipes, que ce soit la Tanzanie, que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Niger, même si le fait que nous voilà les matchs, que ce soit le match face à l'Ouganda avec Idil Zaïre, le match face à la Tanzanie et même le match face au Niger, où l'Algérie a souffert, l'équipe nationale a souffert vraiment face au bloc bas. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir testé Choréguéné. Après, la Tanzanie, elle a 3 points d'avance sur l'Ouganda et le Niger. Donc, je pense que l'Ouganda tient le Niger. Après, la Tanzanie joue sa qualification en Coupe d'Afrique, c'est sûr. Et il faut que. Enfin, la différence de but pour le moment est pour l'équipe de la Tanzanie. Mais l'Ouganda et le Niger, voilà. Donc c'est un match qui a plus d'intérêt et la Tanzanie que l'équipe nationale. Et au-delà de ça, Nwelly peut-être Masuva, ce qu'il va essayer de proposer, ce qu'il va essayer de nous démontrer. Parce que je pense que c'est quand même quelqu'un. Enfin, on a le temps de jeu, puisque Choréguéné est en compétition. C'est quand même quelque chose de difficile, c'est son compétition. Et c'est un match aussi décisif que Wagini. Mais après, on espère quand même voir du jeu. Même Hidness, pour l'équipe nationale, ce n'est pas le match que j'attends. Le match qu'on attend, bien sûr, c'est le prochain match, le match de la contre le Sénégal. Venez le match qu'on attend, parce que c'est un match où le Sénégal, c'est une équipe qui est compliquée. C'est le champion d'Afrique, c'est l'équipe qui a gagné un deuxième tour de Coupe du Monde. C'est une équipe qui a mis 4 buts et c'est le Brésil récemment. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est assez. C'est le match né à attendre. Pas le match contre la Tanzanie. C'est un match comme les autres qu'il faut gagner. Il faut toujours démontrer les matériaux d'une sélection, des footballs de sélection. Chaque match est important. Que ce soit un petit match, un grand match. Chaque match, ça a l'importance. Parce que. Les rassemblements de l'équipe nationale, c'est 15 jours, c'est une semaine, c'est 10 jours, chaque 3, chaque 4, chaque 5 mois. Donc, c'est une courte durée d'acheter, soit de travailler, soit tactiquement, que ce soit les combinaisons, mettre un schéma et tout. Donc, n'importe quel match, il s'amène l'importance. Et le match est en particulier, puisque nous, voilà.
la sortie médiatique, on va appeler ça la sortie médiatique, mais l'entraîneur la Tanzanie, Adel Amrouche, il dit ce qu'il a vécu avec le Zaïre, parce que personnellement, on connaît un petit peu tout ça, mais ce qu'il a vécu une scène du Zaïre, et l'arrivée de l'équipe de la Tanzanie à Zaïre, est d'un sel et est noir. يعني متأسف فيه كثير هو يعني دخلت أنا للمباراة الجزائري لقينا صعوبة كبيرة مش صعوبة لقينا يعني إهمال من الناس تاع الاتحادية تاعنا يعني ما لقينا حتى واحد باش يعني يستقبلنا ما لقينا حتى واحد نكلموه تمن سوايع هنا حابسين في الفرونتيير كل الامور اللي اتفقوا عليها مع الاتحاديه التنزانيه ما لبوهمش نكلموا النائب العام ما يردش على الهاتف لاجوا تاع النائب العام هذاك ما يردش على الهاتف فريمون نقول لكم سي يعني سي ان دين يعني في حجم بلد كيما تاعنا الناس عيب احنا علينا ما نغطيو ما نغطيو عيب 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 تم سوايع لا ما لا لا بس لا بسكوي لا والو C'est quand même un constat qu'on fait sur la fédération nationale depuis des années, c'est pas mis à s'égayer. Mais on voit que le problème, c'est qu'il n'y a pas de président de fédération. Et vu qu'il n'y a pas de président de fédération, c'est un pire carême là. C'est les vacances partout, tout le monde s'en fout, il y a personne, il y a pas de responsable dans tous les cas, il y a pas de responsable. Qu'est-ce que là tu vas mettre qui comme responsable? Qui c'est pas moi qui décide, il y a pas de président et tout. Donc ce vide à la tête de la fédération permet tout ça, permet cette dégringolade de la FAF. Qui n'est pas à MTSG. Ça ne veut pas dire que Smig est président de la fédération, il n'y avait pas une dégringolade, c'est pas ce que je veux dire, mais il y avait des dégringolades, il y a des dégringolades, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que Vegi, on a quand même une fédération, c'est un match officiel, tu abandonnes l'équipe née aux frontières, c'est quand même un acte qui peut être condamné par la FAF, par la FIFA. C'est pas une chose de la fédération haïtienne, donc ça c'est quand même très très grave venant de la FAF. Mais puis c'est relié à ce que vit la FAF depuis Chaleur Guinée, depuis le départ de Suisse. On voit ce genre de choses parce que personne va prendre la responsabilité de cette ville parce que c'est un vide, voilà, il y a personne. Mais au-delà de ça, il y a problème d'identité ces sphères, on a vu des problèmes de terrain, ou le terrain Glen, ou le terrain Nineveh, le terrain plastique qui est ma toile, la fédération, c'est un président de fédération, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, il va en vacances, il s'en fout, c'est du calme maintenant. Tu comprends tout. Tu comprends tout. Tu comprends que c'est tout à fait logique que nous ayons ce genre de choses. Qui malheureusement, c'est ça qu'on retient de Guinée. La conclusion, c'est que malheureusement, c'est l'image du pays qui est touchée. C'est pas l'image de Ahmed, de Belmadi, c'est l'image du Zaïre. C'est-à-dire que demain, on jouera au Cameroun, on jouera au Sénégal. Ils vont pas nous prendre au sérieux. Ils vont pas nous prendre. À la Libye, ils vont pas nous prendre au sérieux. Parce que tout là, mais tu tout le reste des réseaux sociaux, l'affaire Amtegini, tout le monde l'entend de l'affaire. La chose que ça c'est l'affaire. Parce que c'est les réseaux, tac, 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 Twitter, Facebook, surtout Twitter. Des infos circulent d'une rapidité extrême. Donc, ces gens-là, Niger, ils vont pas nous prendre au sérieux. Voilà. Donc, c'est quoi la société? La société, la donnée, c'est une structuration totale de toutes nos fédérations. Pas uniquement le foot. Le basket, le hand, le judo, l'athlétisme. Il faut restructurer le sport.
le cercle olympique, le ministère de la jeunesse et des sports, pour une restructuration totale. Parce que c'est pas normal de voir autant de scandales. Pour chiner un stade de Venise avec des milliards, des millions de dollars, de Venise à stade, tu ne peux pas lui donner une entreprise, une entreprise qui est spécialisée pour le gazon, par exemple. Tu la payes 100 millions par an. Et est-ce que c'est le gazon? Tu peux pas faire ça? Je pense que tu peux faire ça. Pourquoi tu fais pas? Parce qu'il y a une incompétence à la tête de toutes ces fédérations, de toutes ces organisations et des institutions. MLMGS, les personnes qui sont à la tête des stades, à la tête des complexes, et ils doivent rendre des comptes. Et tant qu'un tuyau le vide et la FAF, ça ne va pas aller en s'améliorant. Hein. Ce n'est pas le cas. Après, parce que tu as dit les recrues, j'ai voulu faire une petite vidéo en particulier sur les principales recrues. Tu as gagné à passer bon Massouva parce qu'on l'a pas vu jouer. Je pense que je prends en compte que les joueurs glanent les stages à gagner. Et on va prendre, c'est pas un jugement, c'est pas définitif, mais les points des stages à gagner. Et en quelque sorte, où les points, c'est-à-dire que Wiedig Zmeren est titulaire. Les 4 prochains matchs de championnat. Wiedig Zmeren, directement chaque semaine. Qui peuvent à long terme être des RGSK par rapport à Wiedig, qui peuvent ne pas démontrer beaucoup de choses et tout. En tous les cas, on est sûr d'une seule chose, c'est que sur les 8 joueurs à gagner, on va dire que la majorité ont bien répondu. Hein. C'est pas on bien répondu des stages à gagner et que pour la majorité ils nous ont satisfaits, pour la majorité à part un Sarajan Wally m'a souvent Sarajan Wally est-ce que voilà, mais bon, c'est le terrain qui juge, donc je pense que c'est le terrain qui va juger et les joueurs qui ont marqué des points, je pense Mamri, il a pas marqué des points, mais Mamri, il sera titulaire. Mamri, il sera là présent dans le début du championnat, parce que on n'a pas un joueur de sa qualité du côté latéral. C'est la première recrue en l'année Guinée. C'était pour moi, pour le moment. Après, je toute proportion gardée la couille, oui, avant. Que ce soit Driss, que ce soit Amrish, que ce soit Berkane, que ce soit Matuti, pour moi, c'est la meilleure recrue de la GSK. Ayar, c'est la meilleure recrue de la GSK. On va répondre à Ayar, c'est la meilleure recrue de la GSK. Tout simplement parce que la GSK a besoin de ce joueur. Le latéral, le côté. Ertuğrul Mezet Havacan latéral, dans la GSK. Ertuğrul Mezet Havacan latéral. Donc pour le club, avoir un latéral à Magini avec la condition physique Inès, au-delà de la condition physique Inès, c'est un joueur qui connaît le championnat, qui était titulaire Ilindi, c'était l'homme fort du CSC Ilindi, et techniquement il est là, dans un pourcentage à ce qu'il a besoin. Donc pour moi, c'est quand même un joueur qui est assez attendu. Et c'est peut-être l'un des seuls, si ce n'est pas l'un des seuls, mais peut-être l'un des seuls, dès le début du championnat, parce que on n'a pas d'autres. C'est pour ça que c'est la meilleure recrue. C'est-à-dire que Farhat Rukulte est une technique qui ressemble depuis des années, qui est le poste de latéral. Et elle ferait aussi qu'un autre latéral. Donc il faut typiquement voir le fait de reculer trois toilettes par rapport aux besoins de l'équipe. Parce que Rahmani a marqué des points, je ne vais pas dire que c'est un mauvais choix, Rahmani. Mais c'est un gardien avant, c'est un gardien Hadid qui était au placard, mais ils ont joué même presque le même temps de jeu, même si Hadid il a venu avec Faris, en réalité. Hadid il a venu avec Rahmani, c'était des matchs amicaux à gagner.
Donc, côté gardien, on a un gardien d'Indy en fin de saison qui était l'un des hommes forts en la GSK. Donc, c'est pour ça que je vais pas le mettre par rapport au meilleur recrue et tout. Voilà. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'un des joueurs qui a sauté aux yeux des stages, c'est Matuidi. Je pense que Matuidi, si on veut uniquement parler de joueurs qui a marqué des points, Matuidi, c'est le joueur. Il n'y a pas un joueur des Marocains qui traverse les points des stages, des matchs amicaux gagnés. Tellement buteur, dans le jeu, il sait tout faire. Sur le ballon, il sait tout faire. Il a une intelligence de jeu. Et il veut jouer, il veut donner, il veut démontrer. On sent le joueur qui veut évoluer, veut progresser. Et il est dans le meilleur moment pour progresser dans la carrière. S'il est encore jeune. Donc, je pense que pour parler des joueurs qui marquent les points, Matuidi, c'est un joueur qui a vraiment, 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 vraiment marqué des points. Voilà. Il a marqué des points sans nul doute. C'est le joueur qui a marqué des points des stages à gagner. Voilà. Il n'y a aucun doute. Après. Les autres joueurs qui sont prometteurs, on va dire, même Matuidi, c'est un joueur prometteur, mais par rapport à le rendement des stages à gagner, on peut le mettre au-dessus de Nwigeni. C'est les quatre joueurs à gagner, que ce soit Berkane, Lekoud Driss, Lekoud Amrich, Lekoud Youli West. C'est-à-dire que c'est les quatre joueurs. Intoualibri, c'est des joueurs extrêmement prometteurs qui peuvent eux aussi proposer beaucoup de choses, que ce soit Berkane en phase offensive, il est excellent. Driss, l'axe, c'est excellent. Amrich, le Mest, il est excellent. Youli West aussi, dans l'animation offensive, il est excellent. Je vois que c'est des joueurs extrêmement prometteurs, mais faut qu'ils profitent, faut qu'ils confirment. Et ça, c'est la même chose avec Ouédraogo. Hein. C'est pas uniquement Ouigui, hein, mais avec Ouédraogo, il faut qu'ils confirment des matchs officiels, il faut qu'ils confirment. Contre Armega, il faut qu'ils confirment à l'extérieur du championnat, dans des stades difficiles. Dans l'année passée, la GSK a gagné un seul match, c'était contre Chlobled à l'extérieur. C'est peu. C'est même que Chlobled, la GSK a perdu à l'extérieur. Comment tu veux gagner un championnat à l'extérieur? Comment tu veux jouer les premières rondes à l'extérieur? Donc, il faut que les joueurs aient gagné dans l'extérieur. Et c'est pour ça que Delis, le coup d'Amérique, je pense qu'ils connaissent le championnat encore plus que Berkane, le coup de West, qu'ils n'ont jamais joué un championnat première division. Donc, Sinan, Mamari, voilà, Rahmani, Sinan, championnat première division. Donc, là, à quoi s'attendre? Donc, je pense que les deux, Amrish et Kudris, vont avec un pas d'avance sur les autres joueurs. Après, bien sûr, la déception, le joueur qui a perdu des points des stages à gagner, c'est bien évidemment Mokhtar, Hicham Mokhtar. Attaquant qui n'a marqué aucun but. Il a été souvent critiqué. C'est difficile de juger un joueur sur les matchs avec un équipe. On va attendre, mais pour le moment, ça sent pas bon pour lui. Ça sent vraiment pas bon. Après, il faut s'attendre à ce que le joueur ait gagné. Il a été recruté par Bouzidi. Donc Bouzidi aura besoin de lui. Atislav. À part Tislavi, à quel moment, en deuxième mi-temps, le faire rentrer Béchadi peut-être. Parce que Bouzidi, c'est un joueur, c'est un entraîneur extrêmement défensif. Donc il n'est pas là sans attaquer des intérêts. C'est pour ça qu'il a perdu beaucoup de points à Jamorta. Après, on ne peut pas juger un joueur sur un fitness, sur des matchs amicaux et tout, on va le juger sur des matchs officiels. Et des matchs officiels. Pour le moment, il y a des joueurs prometteurs. Il y a des joueurs qui vont être, je pense, qui vont se confirmer rapidement, hein, comme Amri et tout. Mais il y a des autres joueurs qui vont devoir confirmer, comme Matuidi, comme Driss, comme Amrich et les autres. Et prochainement, voilà, on est à 10 jours, on a chaud du début du championnat. À 9 jours du début du championnat, un déplacement à Megara. Et les choses sérieuses d'être.
avec tout ce qu'il y a autour du championnat et des matchs, la difficulté, ça va à l'extérieur et la pression, et parce que ça va des matchs amicaux sans pression. À part cela, le championnat sans pression, c'est pas la même chose. Donc peut-être que des matchs aigris, il y a un joueur qui est mortel, je vais pas dire, mais il y a un joueur qui est mortel qui va plus résister à la pression que d'autres joueurs qui ont plus prouvé la pression. Est-ce que la pression, est-ce que Maslav est sous pression? C'est que de la GSK. Donc, Dina advient beaucoup, beaucoup de choses. On sort beaucoup, beaucoup de réponses. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire par rapport au premier, le premier jugement, c'est par rapport au mercato de la GSK. On aura le temps de revoir tout ça, on aura le temps de confirmer tout ça dès les matchs officiels. Voilà. Comme tu as dit, on va dans d'autres vidéos, on va se retrouver dans le débrief de l'équipe nationale samedi Saguenay, dès la chaîne secondaire, bien sûr, et d'autres débriefs de deux autres matchs. De la chaîne secondaire, il y a beaucoup. On parle même du ballon d'or, on parle de beaucoup de choses. D'ailleurs, merci à nous et ceux qui nous ont soutenus dans nos vidéos. Comme c'est dit, merci à nous. C'est ça. Salut.